Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le tournoi Osiris qui aura lieu prochainement dans Destiny. Donc pour le moment, nous n'avons aucune information sur la durée de ce tournoi, ni même sur la date à laquelle il aura lieu. On sait simplement que c'est un événement PVP, c'est-à-dire dans l'épreuve en mode multijoueur, qui aura lieu sur le Sanctuaire Ardent, qui est une map de Mercure. Les différences d'attaque et de défense seront prises en compte, comme pour l'Iron Banner, sauf que ce sera réservé cette fois-ci strictement à l'élite. Alors concrètement, c'est du mode escarmouche en 3 contre 3, et pour son aspect technique, Osiris sera une faction à part entière, symbolisée par un œil. Pour gagner l'accès aux essais d'Osiris, vous aurez besoin d'obtenir un ticket de tournoi, et pour ce ticket, il n'y a que 2 méthodes possibles actuellement. Vous pouvez obtenir un ticket en réalisant une série de bonnes victoires en mode multijoueur lorsque l'annonce de l'événement PVP aura lieu. Il faudra donc réaliser un certain skill en épreuve pour pouvoir obtenir votre droit d'accès, d'où l'importance de multiplier vos réussites dans ce mode de jeu. Une autre alternative d'accès, si vous en avez la chance, c'est de recevoir un contrat exotique, le patron inconnu. Vous pourrez alors acheter le droit d'accès au tournoi en l'échange d'une pièce étrange. Mais attention, pour cet événement, le level 20 minimum sera requis et il faut savoir que 3 échecs consécutifs dans le mode Osiris vous en bloqueront l'accès. Il faudra donc vous débrouiller pour acheter un ticket d'accès au tournoi. Comme je vous l'avais dit, l'Iron Banner à côté de ça, c'est vraiment du pipi de chat. Donc côté récompenses, elles sont prestigieuses parce qu'elles ne peuvent être gagnées que dans ce mode. Il s'agira d'armes légendaires de l'exil et d'armures de l'exil légendaires également. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Donc très prochainement, je vous ferai un tuto sur le contrat exotique du patron inconnu, l'arme qu'il permet de looter et les différentes étapes de ce contrat. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines astuces sur du Destiny. Ciao ciao !